Ce match vous est proposé par Heineken. Et Lay's. Sponsor de l'UEFA Champions League. Tammy Abraham qui essaye de d'emmener un petit peu les, ses équipiers dans son sillage. Vous l'avez vu, quelques applaudissements. Ouais, je pense, Xavier, que clairement ici pour Chelsea, il faut essayer de laisser passer l'orage dans les premières minutes avec un dribble, la sortie de Caballero et le pénalty. Bah oui, au moment où je dis qu'il faut laisser passer l'orage. Pour le gardien. Tension, suspense. Alors, on essaye de l'entretenir évidemment avec Robert Lewandowski face à Willy Caballero. Lewandowski ou Caballero. Mais c'est dedans, c'est très très bien tiré ça, Xavier. Franchement, c'est un pénalty imparable. Oui, imparable. Surtout Caballero avait attendu au dernier moment le geste de Lewandowski. Mais la réalisation et la finition est tellement propre qu'il n'y a vraiment rien à faire. 12e but pour Robert Lewandowski. Tout simplement inarrêtable. On presse de manière un petit peu désorganisée du côté de Chelsea. Ouais, on laisse beaucoup de liberté à Alaba. Hudson-Odoi est littéralement presque accroché par la position haute de Davis. Attention, attention, oui, à cette perte de balle avec Lewandowski. On réclame une faute du côté de Chelsea avec le deuxième but. Le voilà, c'est Perisic qui était là-bas au deuxième. J'aimerais quand même revoir le départ de cette action. Parce que j'avais un sentiment qui était identique au joueur de Chelsea. Un petit accrochage un petit peu bizarre, en tout cas à l'origine de cette phase. En attendant, pour l'instant, c'est 2-0. Kanté. Hudson-Odoi. Bien vu ça pour aller chercher Emerson de nouveau. Le centre, Neuer qui relâche ses buts ça. Alors était-il hors-jeu cette fois-ci, Tammy Abraham? J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de discussion pour l'instant. Dans la défense du Bayern, on ne respecte pas en tout cas. Et Frank Lampard cette fois-ci. Ouais. Pouvoir envisager d'avoir sauvé un petit peu l'honneur dans cette rencontre. Perte de balle, récupération de la part des Allemands. Leon Goretzka avec une possibilité sur la gauche. Davis, le centre avec Müller au-dessus. Müller qui a été un petit peu surpris, j'ai l'impression, du raté du défenseur de Chelsea devant lui. Ouais. En tout cas, très, très bon débordement de Davis. Bon centre calibré. Je pense que, oui, comme vous le dites, Zuma passe un peu à côté. Ouais, parce que le centre était bon. Hein, là, il était parfait. Et puis je pense qu'il est juste parfait pour ce genre de reprise aussi. Un plat du pied. Ouais, bien joué. Très belle remise de la part de Müller avec cette frappe qui passe juste au-dessus de la cage de Willy Caballero. Philippe Coutinho. Coutinho. Derrière la jambe d'appui, on écarte Robert Lewandowski, le centre, Tolisso, c'est au fond. Ah, quelle préparation, mais un instant, Xavier, j'ai cru qu'on était à l'entraînement là. Ouais, c'était magnifique. C'est vrai que beaucoup de passivité de la défense de Chelsea devant le but et grosse erreur de marquage, mais en tout cas, le centre est absolument parfait de Lewandowski. Hein. Lui qui s'est décalé sur la gauche. Avec la reprise au fond, but de la tête,
et c'est Lewandowski de nouveau. 4-1, 7-1, score cumulé. Quand on vous disait tout à l'heure que les Bavarois n'allaient pas s'arrêter en si bon chemin. 13e but pour Lewandowski. Ce match vous a été proposé par Heineken et Lay's, sponsor de l'UEFA Champions League.